chevelu, de longs poils qui chatoyaient, un doux regard qui vous parlait. Ainsi, gentil petit chat, il s'appelait Chevelu. Une caresse, boire et manger, et sa vie était comblée. Bien sûr, il a connu par le passé la joie, le bonheur d'un foyer. Pourquoi l'ont-ils abandonné? Ainsi, gentil petit chat, il s'appelait Chevelu. Heureux quand même dans la rue, mais un soir, ils sont venus. Pourquoi se serait-il méfié? Ils l'ont appelé, il a accouru. Mais point de caresse pour Chevelu. Dans ses yeux, la peur apparut. Ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé. Ses deux yeux, ils les ont mutilés. Son pauvre corps supplicié. Sur son pelage, le sang coulait. Pourquoi l'avez-vous abandonné? Vous l'avez tous regardé, entendu hurler. Que ses cris vous hantent à jamais. Ainsi, gentil petit chat, il s'appelait Chevelu. Dans le cœur, pour l'éternité, chat martyr, repose en paix, Lolette. Qui en France, je vous l'ai dit, à l'article L521-1 du Code de procédure pénale, condamne les actes de cruauté? Pas tous. Il y en a quelques-uns, et en nombre, ce sont des millions qui sont, parce qu'institutionnalisés, qui sont légaux, qui sont autorisés. Ces actes de cruauté auxquels je fais allusion, c'est quoi? C'est les abattoirs, c'est la corrida, c'est le foie gras, les élevages intensifs, l'expérimentation animale, et j'en passe, et j'en passe. Maintenant, le temps est venu pour le combat. Nous lançons cet avertissement à tous les tortionnaires, maltraitants, bourreaux d'animaux. Sachez que jamais nous n'abandonnerons la guerre que nous vous déclarons. Sachez que jamais plus vous n'aurez de paix. Sachez que nous vous traquerons, débusquerons et traînerons devant la justice. Vous ne pourrez plus jamais dormir tranquille sur vos crimes. Ouais. Nous veillons, nous sommes nombreux, nous sommes légion. Justice pour les animaux. Justice pour les animaux. Justice pour les animaux. Justice pour les animaux. Justice pour les animaux.